Salut à toutes et à tous, on est à Stuttgart dans les tribunes de la Stuttgart Arena. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024, l'Allemagne face à la Hongrie. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre des points bêtement. Voici le 11 qui va débuter pour l'Allemagne. Le but est gardé par Manuel Neuer. Jonathan Tah avec Antonio Rüdiger en défense centrale. Et on termine avec Kai Havertz. On a. De la Hongrie. Et voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Très ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ah, le tacle pas bien maîtrisé, évidemment, il y a faute là-dessus. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Faire un focus là sur Musiala, on va en profiter parce qu'il fait partie des joueurs. Sûr. Sa caractéristique principale, on la connaît, c'est sa vitesse, sa capacité à prendre les espaces, à plonger dans le dos des défenseurs adverses. Ouais, c'est un ballon pour les grands gardiens. Il soutient là pour attaquer. Oui, bon geste défensif, touche la suite. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Derrière parce que ça peut lui valoir un carton, mais c'est donc un carton rouge exclusion. Et ça risque d'être très compliqué en défense. Arrêt de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement. Kai Havertz.
ou à porter le danger. Maintenant, à une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. C'est ce qui manque, c'est la précision, votre principal défaut. On va tirer et c'est facilement capté par le gardien. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et c'est bien capté par le gardien. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Ouais, pas de détente verticale pour aller chercher le ballon. La conclusion de l'action dans le but vide, on se demande où était la défense. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Nagui. Et la Hongrie qui avance dans la défense adverse. La frappe. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. International.
Gündoğan. Et oui, le danger qui est écarté. Et encore une bonne intervention du gardien. Et on veut qu'il perd le contrôle du ballon. Oui, bien fait ça. Oui, le centre, il est bon dans la surface. C'est capté sans trop de problème par le gardien. Et voilà une bonne récupération là. Gündoğan à la réception. Une bonne situation pour Havertz. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Et le but. Et c'est un but contre son camp. C'est évidemment un cauchemar. Et c'est un grand coup au moral. On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose la plus grande du monde. Mais marquer contre son camp, c'est la pire. Que dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Nagui. Alors, il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Oui, tu es le remporté. Gündoğan. Ballon pour Moussiala. Kai Havertz. Moussiala. Et duel remporté dans la surface. Dominique Szoboszlai. Szoboszlai avec le ballon. Et oui, voilà le but. Ce but qui redonne de l'espoir. Il faut en mettre un autre pour égaliser. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. La leçon de ce but, c'est que le mieux est l'ami du bien. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. 3 minutes encore à jouer. Voilà, c'est Tadic, le quatrième arbitre. Florian Wirtz. Gündoğan. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Szoboszlai qui livre pour l'instant une première mi-temps réussie. On voit une prestation individuelle intéressante, convaincante, mais tout ça au milieu d'un panorama collectif un peu triste. C'est reparti dans cette rencontre avec donc l'Allemagne qui va tout faire pour maintenir son but d'avance. Allez, contrer cette frappe. Kerkez. Sur le côté avec de l'espace. Oh, attention à ce centre. Voilà, c'est bien défendu, du coup le ballon est renvoyé. Ouais, il prend meilleur à son adversaire. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Ballon pour Moussiala sur le côté. Moussiala, il a du champ.
et peut-être l'occasion de marquer. La parade, quel arrêt pour cette action. Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les trois P. Le corner de Toni Kroos. Le gardien fait ce qu'il faut. Penalty, la défense éloigne le danger sur ce corner. Interception et récupération du ballon. Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne. Mais ça peut être dangereux. Mais quel dommage! C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant inchangé. Toujours un but d'avance. Nagui. Langue. Bonne pression défensive, le ballon sort. Rudiger. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Jamal Musiala. Un pressing réussi, pressing payant avec Gundogan. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Allemagne obtient le corner. L'occasion peut-être de faire le break là. Voilà, changement donc. C'est manqué de quelques centimètres ce tir placé. Il se lui fallait très peu, malheureusement. Le centre dans la surface, il y a du monde. Et finalement, c'est sans danger pour la défense adverse. Kai Havertz. Ah, le pressing paye, il va le récupérer très haut. Dominique Szoboszlai. Gundogan à la réception. Gundogan à frappe. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. La sérénité, la tranquillité, le calme, la paix, alors que tout autour c'est l'agitation, la pression. C'est très fort de faire ça.
Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Nagui. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Moussiala. Le ballon pour Joshua Kimmich. Il y a du monde là, quelques possibilités. Le danger peut-être avec ce ballon. Et le gardien qui écarte bien le danger. Le corner est pour l'Allemagne. Le corner bien tiré et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Ah, c'est un ballon pour Toni Kroos. Ballon donné en retrait. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. On le voit bien, le ballon est joué en retrait dans le dos de la défense. C'est très difficile pour les défenseurs et parfait pour les attaquants. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. L'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Dominique Soboslai. Une faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Mais non, l'arbitre avait laissé jouer, mais il revient finalement à la faute. Et finalement, l'arbitre tranche pour l'avertissement verbal plutôt qu'un carton jaune. Oui, contrôle des routines. Rien d'autre. Le dernier mot à la défense, ballon bien renvoyé. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Mais ce ballon qui leur échappe. Rien du soutien en attaque. Soboslai avec le ballon. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Et un changement. Le corner. Ouais, tranquille, le ballon est bien capté sur ce corner. Fulkrug. Un bon contre à jouer peut-être. 5 minutes de temps additionnel. Ça pousse en faveur de l'Allemagne. Fulkrug. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le ballon change de camp. Hey, hey.
Florian Wirtz. Toni Kroos avec le ballon. Ah, il y a la place pour une frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. Et on en reste de là, l'arbitre qui siffle à la fin du match. Et donc, il scelle définitivement cette victoire allemande. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Ouais, sa performance aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, une masterclass du début à la fin. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.